Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Encore Chesson de Patrick, graphic designer. Bienvenue sur ma chaîne consacrée à Adobe Photoshop CC. Dans ma vidéo, je vais vous parler un peu de comment réaliser une affiche de concert avec le logiciel Adobe Photoshop CC 2022. Récemment, j'ai eu dans mes commentaires l'un de mes abonnés qui m'a demandé à ce que je puisse faire une affiche professionnelle en ce sens. Raison pour laquelle nous allons enchaîner en cette semaine des affiches typiquement dédiées au concert. De musique, du festival et autres. Donc, restez connectés. Pour vous, nouveaux visiteurs, si vous êtes sur cette chaîne, c'est effectivement parce que vous êtes dans le besoin d'apprendre le logiciel Adobe Photoshop. Et ça me fait un grand plaisir de vous compter parmi mes abonnés, parmi mes fidèles compagnons. Je serais vraiment ravi. Pour ce fait, likez et cliquez sur le bouton juste en dessous pour vous abonner. Et également, pour vous déjà abonnés, n'oubliez pas de donner un petit pouce bleu pour le référencement. Ça nous permet d'agrandir dans le champ de trafic. Merci et passons maintenant au prochain tutoriel. Vous allez déjà configurer votre espace de travail. Pour ce faire, vous allez dans le menu, puis Fichier, vous cliquez et vous cliquez sur le bouton Créer nouveau. Vous pouvez tout de même faire le Ctrl N pour l'ouvrir directement et configurer le paramétrage de votre document. Donc, je vais cliquer sur le bouton Nouveau. Je patiente que le temps s'ouvre. Effectivement, ma fenêtre est bien, bien devant moi. Je vais configurer maintenant cette fenêtre, donner une largeur et une hauteur afin de me retrouver dans ma créa. Donc, je vais travailler avec le format. Bon, je vais prendre l'unité de mesure, le centimètre. Je vais prendre la hauteur, une largeur de 25 sur une hauteur de 30. La résolution, nous la mettons à 300%. Vous donnez un titre déjà à votre affiche. Moi, je vais l'appeler ici Conseil 1. On va aller avec la touche Entrée, comme ceci. Une fois fait, vous dupliquez sur le tupon afin de voir en temps réel à quoi correspond votre affiche. Veuillez suspendre maintenant mes traits de tracé ou encore mes repères en faisant CTRL H. Par la suite, je vais venir importer un élément déjà. Pour toutes ces images que j'utiliserai dans cette vidéo, je vais vous mettre les liens dans la description afin de vous permettre d'avoir les mêmes résultats que moi au finish. Je vais dans Importation, puis je vais sélectionner l'outil d'image dont j'ai besoin. Je vais chercher une texture qui n'est pas mauvaise en soi, comme celle-ci, puis je vais l'ouvrir dans mon plan de travail. Nous patientons le temps que s'ouvre notre image. Une fois mon importation dans mon plan de travail, je valide avec la touche Entrée, mais néanmoins je vais changer l'orientation. Valide avec la touche Entrée, puis CTRL T sur l'image à nouveau. Super. Et vous allez agrandir pour occuper tout l'espace. Comme ceci. Je valide avec la touche Entrée. Présentement, je me situe dans mes calques et je m'assure que je suis bel et bien sur mon calque. Puis je vais dans Images et je viens dans Dans le réglage, pardon, réglage, puis je viens sur
D'abord, je vais pixeliser mon image. Puis, vous venez à présent dans Réglages. Puis, vous venez sur Désaturation, comme ceci. Et une fois fait, vous allez à nouveau dans Images. Vous venez dans Réglages. Puis, Exposition. Je vais jouer sur l'exposition de mon image. Nous allons nous mettre à moins 47, moins 40, je pense que ça fait l'affaire. Comme ceci. Je valide avec la touche Entrée. Et je vais en dessous, j'ajoute un nouveau calque comme ceci. Puis je vais choisir une couleur de fond à mon calque. Supprime le calque. Je viens par la suite. Là, je viens sur couleur unie. Nous allons choisir une couleur pour notre affiche déjà. Bien, je valide. Je vais présentement changer le mot de cette image en incrustation dans mon image pour voir à quoi cela ressemble. Changer la couleur comme ceci. Valider avec la touche Entrée. Rassurez-vous que vous avez suivi votre image. Ajoutez un masque de fusion à l'image. Puis sélectionnez l'outil dégradé dans la palette des outils. Désolé. Puis nous allons tirer du bas vers le haut. Seulement le bout là-bas, pardonnez. Pas de placard, c'est même pas. Donc, c'est quand vous ouvrez, vous laissez ça comme ça. Sélectionnez l'outil dégradé, puis vous tracez. Vous tirez du bas vers le haut comme ceci. Réduire l'opacité. Allons jouer avec la couleur. Valider avec la touche Entrée. C'est l'opacité. Nous jouons également sur le fondu à 50. Éclaircir puis réduire l'opacité. Comme ceci. À 53%. Nous avons présentement ajouter notre image avec laquelle nous avons travaillé. Sélectionne mes deux images. Puis, je les ouvre dans mon plan de travail comme ceci. Sélection, sujet, vous patientez le temps que la sélection soit faite. Sujet. Et vous patientez donc que votre sélection soit faite et vous y ajoutez le masque à nouveau.
comme ceci. Et c'est parfait. Nous allons sélectionner cette image présentement. Puis l'accès déposé dans notre plan de travail. Comme ceci. Sélectionner l'image comme ceci. Glisser dans le plan de travail. Ctrl T sur l'image pour modifier la taille de l'image. Je vais réduire la taille comme ceci. Valider avec la touche Entrée. Contrôle T, agrandir la taille. Comme ceci, double clic sur le support. Alors, nous allons convertir notre image en objet dynamique. Puis, y ajouter. Vous double cliquez sur l'image. Nous allons dans la lieu interne. Incrustation. Nous allons agrandir la taille. Du Excel également. Incrustation. Valider avec la touche Entrée. Ajouter un bac de fusion à l'image. Sélectionner l'outil dégradé. L'outil réduit ou vers le bas comme ceci. Du bas vers le haut. Contrôle T sur l'image. Vous agrandissez. Comme ceci l'image. Valider avec la touche Entrée. Nous allons à présent dans les filtres. Caméra.
Assure-vous d'être bien sur l'image et non sur le masque de fusion, puis vous venez dans les effets. Les réglages de base. La température, nous allons la mettre à moins 19. Nous allons à moins 19. La vibrance. Nous allons la mettre à plus 25. On va le dire avec la touche entrée. Une fois la modification faite, nous allons dézoomer pour voir à quoi ressemble notre image. Vous faites maintenant CTRL ALT I. Nous allons agrandir la taille dans notre plan de travail. Nous allons mettre la taille à partir de 35 pour avoir un peu plus d'espace dans notre affiche. Vous présentez le temps que la sélection soit faite. Vous double-cliquez sur le typo. À présent, vous venez sur votre image. Vous sélectionnez votre image comme ceci. CTRL-T sur l'image. Nous allons réduire la taille de l'image. Une fois fait, vous allez venir sélectionner cette image, la glisser, déposer dans votre plan de travail comme ceci, la positionner en dessous de la première, puis réduire la taille en faisant CTRL-T sur l'image et réduire la taille de l'image comme ceci à l'intérieur. On va le dire avec la touche entrée. Changer d'ailleurs le mode de l'image. Parce que je vais laisser l'image comme ceci. Ajouter. Convertir l'image déjà en objet dynamique. Ajouter un masque de fusion à l'image. Puis sélectionner le petit dégradé. Appliquer comme ceci. Je vais le barreau tirer. Et réduire l'opacité. OK. Réduire l'opacité comme ceci. Ajouter à présent un vocal, puis rebroche. Réduire la taille de la broche.
Oui, allez dans la palette, allez sur la broche, donc cliquez sur la broche. Tant que ça sent du couleur, on va lui donner une couleur. C'est 6. 4. D. 0. C. Changer le mot de l'image. Et réduire l'opacité. Incrustation, puis on va le dire avec. Nous allons à présent jouer sur notre couleur de base. Nous allons prendre la couleur F5B796, puis on va valider. Je pense que cette couleur sera l'idéal. Dans une autre image de tout à l'heure, comme ceci. Valider avec la touche Entrée. Nous allons à présent renseigner nos informations. Déjà le nom de l'artiste. Vous pouvez déjà fermer cette fenêtre pour vous faire de l'espace dans votre plan de travail. Sélectionnez l'outil texte. Nous allons passer à attendre. On va valider. Désolé. Changer la police Android. Nous allons passer à 150. Je vais changer le type de police. Débat.
Valère Leclerc, je t'en prie. On réduit la taille à 50. Nous allons changer la couleur de la police de telle sorte à la rendre plus visible. Je pense que du blanc, c'est pas mauvais. Donc, cliquez sur la police. Donnez-lui un contour. Et une ombre. Réduire la taille de l'ombre. Le grossissement également. Contour. Nous allons mettre le contour à cette couleur. Ok, choisis une couleur qui est plus visible. Voilà, le rouge c'est parfait. Regardez avec la touche entrée, réduit le grossissement. Comme ceci. Je pense que ça commence à venir. Débat.
mentionner déjà le lieu où aura le conseiller, comme ceci, à San Pedro. Par la suite, nous allons donner nos informations telles que la date. Les années comme ceci. La date, samedi. Samedi. Une fois que je valide, contrôle T sur l'image. L'orientation de ma date. Comme ceci. Je valide avec la touche Entrée. Je vais déplacer présentement ma date. Mentionner maintenant, samedi 13. Je vais utiliser la police fork. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu quand vous prenez plaisir à cette vidéo et de la partager aussi afin de ne pas garder cela pour vous seul et de permettre à tout le monde de pouvoir suivre ce tutoriel conçu pour tous. Valider avec la touche Entrée. Réduire la taille de samedi. Nous allons changer toutes ces couleurs par la suite. Valider comme ceci. Vérifier la distance entre les lettres. Augmenter la taille. Réduire l'espace. Valider avec la touche Entrée. Samedi 13. Mentionner la date de mois, février. Positionner à 0 pour valider, réduire la taille, avec la touche Entrée comme ceci, à présent nous allons mentionner notre heure de déroulement. On va aller avec la touche Entrée.
Valider avec la touche V de confirmation. Groupons vos différents éléments déjà, puis double-cliquez sur le groupe et ajoutez le nom juste en dessous du fond blanc afin de le rendre plus visible, même à distance. Et jonglez comme ceci. Valider avec la touche Entrée. Donc, cliquez sur le support pour voir en temps réel à quoi correspond votre image. Une fois fait, nous allons mettre le prix d'entrée et le nom organisateur. Par la suite, ajoutez nos différents partenaires ou encore sponsors. Nous allons déjà taper le prix d'entrée. Allons importer sélectionner une broche, ajouter déjà un calque par la suite, ajouter un calque, puis aller dans les broches. Nous allons importer des broches. Vérifier celle-là. Je pense qu'elle est très très grande, donc je vais changer de broche. Importer des pinceaux. Puis je vais sur mon bureau. J'ai les pinceaux que j'ai téléchargés. Comme ceci. Je vais les ajouter à chaque fois. Une fois mes broches sélectionnées, j'ai fini d'importer mes broches. Et je vais passer présentement à un effet. Je vais dans mes broches. Puis je sélectionne une broche. Je ferme comme ceci. Je positionne mon calque en dessous, comme ceci, entre mes deux images, puis j'applique mon effet. Et par la suite, je vais changer le mode.
Je vais choisir l'incrustation et réduire le mode. Réduire l'opacité de ma branche comme ceci. Donc, cliquez sur dégradé. Créer un emplacement. Puis, je vais le positionner en radial, en linéaire. Puis, double-cliquer. Donne une couleur de fond. Vous achetez une... Mais si vous achetez une brosse, achetez une brosse comme ceci, puis réduire la taille. Puis appliquer comme ceci et changer la couleur, double cliquer sur le calque, puis vous ajoutez une couleur comme ceci, je pense qu'elle est parfaite. Validez avec la touche entrée et vous cherchez son emplacement comme ceci. Ça me demande de faire une petite modification au niveau de la distribution de mes informations. Mais ce n'est pas bien grave, c'est pour une bonne cause. Comme ceci. Nous allons taper entrée. Grid. Grid. Avec Dina. Entrée. Validez avec la touche entrée, puis vous zoomez. VIP. Débat. Voilà, vous la touche entrée. C'est pas trop visible, je pense que le blanc sera encore plus visible, vu que la couleur est sombre.
Réduire la taille. Hein? 30. L'ajouter en modalité. Même fond. Ou difficulté le cas quand on J. Et pour les personnes ordinaires, nous allons mettre grand public. Mille francs. Valider avec la touche entrée. Nous allons donner un peu de peps à notre information. Vous allez changer l'orientation comme ceci. Comme ceci. Donner un peu plus de style à notre affiche. Réduire et voir correction. Aux informations, donc cliquez sur le typo comme ceci. Là, nous allons ajouter à présent un contact. Tel. Changer la couleur comme ceci. Sélectionnez le petit rectangle. C'est une forme comme ceci. Valider avec la touche entrée. Nous allons à présent ajouter les membres organisateurs. Chess Club. Chessy Pod.
Nous allons ajouter les pays. Nous allons ajouter différents participants, les organisateurs de l'événement. Sélection club et je vais créer là un autre logo. Sélectionner une forme circulaire. Comme ceci. La positionner en dessous du groupe. Pour en faire un logo. Voilà, question prod. Présente, juste au milieu. Changer la police. Réduire la taille, mettre du jaune, réduire la taille et j'ai une broche un peu plus intéressante pour juste marquer au-dessus. Ajouter une broche juste en dessous. B. Puis je vais cliquer sur, double-cliquer sur ma broche et je donne une couleur sombre comme ceci. Et l'orienter vers le bas. Double-cliquer sur mon texte, donner une ombre. Valider avec la touche entrée. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder que pour reproduire ce test chez vous à la maison, dans les moindres détails. Merci et au prochain tutoriel de chez Sandro Patrick, votre M serviteur. Quand?